is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. Wow. On est reparti pour plus de Darkest Dungeon. Alors, toi, on avait vu que toi, elle était bien. Enfin, en avoir une deuxième, ça peut être intéressant, mais après, on n'a plus trop de place. Il nous faudrait peut-être un... on a un lépreux dans l'équipe? Je crois pas. On n'a pas de lépreux. Parce que les lépreux sont sympas, ils peuvent tanker. Lui, on en a déjà plein. Donc on peut prendre une deuxième. She searches where others will not go. And sees what others will not see. Ok, cool. Ça marche. Ah, on peut se faire de l'argent avec des breloques hein, pour le moment. Mais je voudrais garder les 20 000 pour avoir peut-être des skills à débloquer là de... de campage. Le campement, on n'a pas trop pris de choses en fait. En tout cas, on veut faire du combat. On veut faire de l'argent. Donc on a ça qui est court. On a ça qui est court. Prendre ça, des bus, donc les pièces de combat, ou alors, bah c'est les pièces de combat, c'est pareil. Donc elle, après on va... Non, ça c'est la nouvelle. Niveau. Donc... quoi qu'on n'avait pas fini la mission, donc oui, elle est zéro aussi. Alors, qui est mieux? Toi, tu as esquive plus 5. Pourquoi il y a écrit moins 5 de la ville? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. C'est à la limite. Moi je prends ça là. Hein. Mais bon, à la scientifique. Je sais pas, non, c'est mieux ça, mais esquive moins 5, ça me fait un peu chier. Enfin bref. Alors, après... Ah, tiens, on pourrait peut-être prendre lui, pour tank. Après, il nous faudrait un soin. Et après, on peut faire ça. Ah oui, on a un soin aussi, on a elle. On a un vrai soin à augmenter. Ici, la tanière, il y a des créatures, des bêtes, je crois bien. Donc à la limite, ça passe avec le saignement. Il nous faudrait... On n'a pas de stun. On n'a que elle qui peut stun, c'est un problème. Faut augmenter ses habilités par contre. Après lui, il peut le wield. Peut-être qu'on va aller là du coup. Comme ça, il y a stress en moins. Soit en campement. Dégâts dans les ruines. Repérage, ruines. Soit de stress reçu. Okay. Ça fait pas beaucoup de dégâts, je crois, là. On n'a pas de dégâts en arrière, en fait. C'est ça, le problème. Genre, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, imaginons, on joue. Alors, un tour. Comment ça se passe? On fait protège-moi. Sur lui. Lui, on lui met genre le soin. Pour son stress. Comme ça, il peut se soigner, il sera marqué. Lui, il joue DPS. Ça ferait un deuxième tank. En plus, il a en théorie, ils ont beaucoup d'HP. Ça ferait saignement dans tous les coins. On peut mettre un régène sur l'autre. Les saignements, tout ça, on peut pas les enlever avec elle.
Toi, tu fais quoi, toi, à part ça? Là, on a quoi? On a résistance, c'est un peu de la merde. Ça, c'est de l'infection partout. Ça, c'est de l'attaque. Là, on a bonus sur soi, esquive et vitesse. J'en ai fait une infection, 10%. Poudre aveuglante. Non. Bonus sur cible, esquive. Ça touche tout le monde, ça? Ça, c'est soin de groupe. Je peux avoir une description un peu mieux de ça? Genre, esquive sur tout le monde, ça? Ou pas? Précision, moins 10. Je pense que cette équipe peut fonctionner. Ça va pas être la... peut-être la... la plus efficace, mais... intimider... Non, il nous faut le truc pour casser... endurance sur soi, non. Ça, purge, ok. On a purge. Comme ça, ça retire les cadavres. Donc on peut défoncer genre ce qu'il y a en premier, après on casse le cadavre et ça fait avancer tout le monde. Sinon par combat, 1 sur soi, dégâts, précision, esquive moins, crit plus, dégâts subis plus 25. Comme ça, c'est horrible. Enfin, pour notre façon de jouer. Ou alors on fait tanker lui. Ah mais non. Oui, enfin si. À la limite, on peut faire tanker lui. Ok, on va voir. On va voir. Ça m'a l'air ok. Je pense qu'on a une équipe. Je sais pas si ça va être extrêmement... efficace. La vengeance, elle a l'air bien. Mais la vengeance, le problème, c'est que... on va pas avoir d'esquive. Est-ce qu'il a de l'esquive, de toute façon, lui? À la limite, il a pas d'esquive. Donc on s'en fout un peu, quoi. Mais le problème, c'est qu'il va se... ouais, mais du coup, on fait tanker lui, alors. Putain, mais 35 HP, et lui, il en a que 22, quoi. Pourquoi il en a que 22? Fait chier. Faut voir. Esquive. Ouais, en fait, presque, je leur prends toutes les attaques, quoi. Je leur prends presque toutes les attaques qui existent. Voilà, comme ça, on se fait pas chier, quoi. Incroyable. Bon, du coup, on va faire tanker notre bourrin. Monsieur Bourrin. Toi, tu vas faire DPS. Quoique, en fait, c'est mieux que ce soit toi. On va voir, en fait, comment on gère ça. Parce que je voudrais utiliser la vengeance. Parce que c'est une des habilités les plus puissantes. Mais j'ai peur que ça soit pas vraiment très bon, en fait. À la limite, moi, je préférerais ça. Je pense que c'est plus efficace. On va voir. Très bien. Alors, toi, on va mettre esquive. Ça, esquive. Le soin, on s'en fout, c'est de la merde. Là, on a une infection... précision moins 10. Mmh.
comme ça. Parce que si on peut buffer les gens en esquive, ça peut être intéressant. Alors maintenant, comment on équipe les gens? Toi, il te faut absolument de les DHP en plus. Toi, il te faut de la précision. Alors là, on a précision 8, crit 10, 13 plus. Après, on a ça, crit, précision 5. C'est pas mal. Déjà, on a précision bien augmentée avec du critique. Donc si tu fais de la merde, je vais pleurer. Là, la résistance au saignement, ça peut être intéressant. 105%. Donc du coup, il peut pas se faire saigner. Donc il peut mettre un régène à tout le monde et pas se faire saigner, c'est ça? Comme ça que ça marche? Je dirais pas non pour... pour la protection en fait, en plus. À la place. T'as déjà 75% de... Après le saignement, honnêtement, c'est pas vraiment un problème, quoi. Alors toi, vitesse esquive. Là, on a quoi? Point reçu. Protection. Oh, ça tue ça. Nickel. Nickel, nickel. Un truc qui met de l'esquive, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À la limite, je mettrais de la protection plutôt. Ça réduit. Pas quoi lui mettre en deuxième. Je vais devoir lui baisser encore la vitalité en fait. La vitesse, pardon. Oh putain. Pour lui mettre un peu plus de vie, un peu plus de résistance en fait. Elle a protection 25, c'est très bien pour, c'est très bien avec 17 HP, donc c'est un peu la merde. Après, elle est à 7 de vitesse, ce qui est ok, c'est pas le meilleur honnêtement. Donc, ça va, elle a 0 vitesse, elle a un peu de protection, 0 esquive, pardon. Lui, il a beaucoup de protection et pas d'esquive, mais peu d'HP. Lui, il a beaucoup d'HP, mais on va pouvoir le buffer si c'est lui qui tank, si sinon, ça va être lui qui va tanker. Donc ça devrait aller. Allez. Eh ben... Ah, elle vient avec une clé, elle. On va prendre deux trucs de plus. Pas mal. C'est un petit, de toute façon, on n'a pas besoin de plus de nourriture. On a tout pris, hein. On a tout. Ouais. Ça va être encore un
Une équipe bancale, j'ai peur. Vraiment peur de ça. C'est parti. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out Quête. this evil. Elle est là. Yes, let's go. 21. Oh, 21 tu meurs. Unsprung and thirsting for blood. Tu vas me tuer quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coffre? Mal abandonné, ça va sûrement abandonné très certainement en fuyant. Elle est verrouillée. Let's go. Eh ben. Allez, voyons. Donc je sais pas qui on va faire tanker. Moi je dirais... Oh mon dieu, ça commence. Oh putain, c'est bon, c'est pété un câble. Les deux tanks sont à l'arrière, c'est une catastrophe. Non, toi t'es le plus près. Ah, oh, il peut se mettre tout le devant. Ok. Je voudrais bien savoir comment c'est géré les déplacements. Genre, qui peut reculer beaucoup en fait? Ça dépend des classes, j'imagine. Catastrophe. Non, mon dieu. Oh mon dieu. Bon, au moins lui il passe devant, c'est bien. Ah, yes, c'est ok, c'est esquive sur tout le monde. Tu me fais chier là. Yay, on peut jouer maintenant. Ça dure combien de temps? Dieu de merde. Festering fear consumes the mind. Oh mon dieu, j'ai envie de taper un truc. Pire jeu au monde, ce jeu. Elle avait une infection de merde, ouais, c'est un fois un.
C'est marrant parce que je peux même pas me soigner, quoi. Je peux même pas soigner ma folie. Incroyable. Merde, un point. Évidemment. Ignore le cible, hein. Ignore le ciblage. Là, ça me fait chier parce que là, le prochain tour, il va... Je peux rien faire, en fait. Great is the weapon that cuts on its own. Je peux peut-être le soigner et espérer un critique pour qu'il baisse... ça baisse son stress. Voilà. C'est bien passé. Yeah, voilà. Oh mon dieu. Many fall in the face of chaos, but not this one. Not today. La vertu. Parfois les héros agissent à une montée de stress et développent une vertu. Cet état de performance élevée durera jusqu'à ce qu'ils accumulent trop de stress ou reviennent en ville. Et quand également un bonus de stats, c'est notre avantage. Oh mon dieu, ça tue. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non mais va te faire mettre, toi. Va bien te faire mettre. Vision. The end approaches. Le sabre est plus fort qu'une sombre nuit, ok. Bon, on a eu de la chance dans notre malheur, en fait. C'est juste que tout le monde a grave eu des... du stress, en fait. C'est un peu le problème. Ah non, il n'y a pas de moyen que je puisse déstresser en fait. Il n'y a vraiment aucun moyen que je puisse déstresser en fait. Lui il a ça, donc à la limite lui ça va. Oui ça va. Maintenant il a 15 de protection grâce à la vertu, ça c'est pas mal par contre. Lui non plus, pas vraiment. Le pire, c'est elle. Elle va stresser bêtement pour presque rien, quoi. Est-ce que je peux faire un truc, genre un soin, peut-être? Genre ça sert un peu à rien, honnêtement. Ouais, on va garder ça. Ça permet de baisser à la limite la précision des gens. Alors du coup, on fait tanker qui? Moi je sais plus moi. Au bout d'un moment.
Alors lui, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il peut, peut se soigner si jamais il est trop bas. Continue the onslaught. Destroy them all. Inspiration and improvement. Très bien. Be gone, fiend. Masterfully executed. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ouais, je comprends pourquoi elle donne beaucoup d'argent en fait, l'autre. Parce qu'elle est pas extrêmement utile. Elle a un... Elle a une infection qui est vraiment nulle. Alors du coup on va faire qui on va refaire lui. Personnage fleurit en janvier. Ah bon? Je sais pas. Non, si j'aurais pas dû stun le gros. Ah, parce qu'il fait de l'AOE. Mais bon, enfin, c'est l'AOE, c'est pas vraiment un problème, je peux le soigner. Il stresse le pire. Ils prennent pas beaucoup hein, en dégâts quand même. Hein, sur les petites AOE, c'est... on est vraiment très bon. Hein. Évidemment. Encore heureux qu'on a boosté notre esquive. Vraiment heureux qu'on ait fait ça. Je sais pas ce qu'on pourrait changer pour améliorer ça. En fait, améliorer notre... notre partie, notre groupe. Ouh. Joli. A death by inches. Ouais, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Toi t'es plus protégé. Il n'y a plus la marque. Très bien, il a quasiment rien pris. Ça a pas baissé le stress, si ? Pas vu. Dissuade the sharpened blade. Très bien.
The slow death, unforeseen, unforgiving. Eh ben, 1000. 1000 les saphirs. Je sais pas, meilleur... Enfin, elle peut faire tanker n'importe qui. Grâce à son habilité. Le soin par un mage, c'est bien. Je pense pas que le soin par un occultiste est mieux. Après, si on commence à mettre des gens, genre... genre le maître d'armes ou je sais pas quoi, là, le gros mec avec le marteau, avec le bouclier, je pense pas que ça soit utile. Parce que du coup, on perdrait en DPS. Hey! Très bien. Là, on a des blasons. Les blasons, c'est ce qu'on en a beaucoup. Enfin, ouais, mais c'est bien aussi quand même. On peut virer les jades à la limite. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Peut-être un... Je sais pas. Un bouffon? Ouais, ça serait bien pour le stress, peut-être. Ou alors une paire de... Ah oui, les croisés, peut-être. Vous savez, à un moment, on avait fait des croisés avec... J'ai envie d'ouvrir le coffre quand on aura... de torche en fait. Ouais, mais c'est un peu loin. Après, si on fait un retour et que... Ça, en fait, c'est un long chemin. Quand même. Donc, si on a le truc de la nuit, là, qui pop, je vais être dans la merde. Très bien. Genre, deux croisés. Oh. Ça peut être bien. Comme ça, on a double... on baisse le... comment ça s'appelle le... Delta mère. Le stress. Tiens le chien. The blood quickens. Bien. Confidence surges as the enemy crumbles. Le soleil brille plus fort après une sombre nuit. Ok, on met fin au combat vite.
cleansed from our lands. Ah, c'est 2500. La limite avec l'argent quand elle est dans le groupe, elle. C'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai qu'on n'est pas souvent en fait plein. Bah, voilà la réponse. Stress plus transportant ou jusqu'au campement. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, attends, ouais, non, ça on peut pas l'enlever. Mais... Aou, aou. On fait comme ça. Ah oui, il y a un truc que je veux faire. On veut refaire le système là, avec les habilités. Je veux d'abord mettre ça. Après l'esquive. Après comme ça. Je vais voir. Yes, ok. Toi, je veux d'abord le solo, après le groupe, après le stun, et après l'attaque. Toi, je veux d'abord ça, ça. Hop. Attends, nous, qu'est-ce qu'on avait mis? Ok, le soin, ça. Enfin, quoi que. Yes. Yes, yes, yes. Vive le repérage, hein. Ah, peut-être un bandit en premier. Un bandit en premier. Et un tank en deuxième. Ouais. Un bandit en premier, un tank en deuxième. Mais genre, quel genre de tank? Genre un mec qui... Parce que le bandit, il tire très fort, il fait très mal. Bah, le flagelliste en deuxième, en fait, ça marcherait bien. Flagellant, pardon, ou je sais pas quoi. Jour, nuit, jour, nuit. Ouais, genre au lieu de ça, on lui met le super buff là. As the fiend falls, a faint hope blossoms. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ouais, on peut lui mettre. Oh, attends. Ça. Ça. Et ça. C'est bête parce que je voudrais bien la réutiliser, mais... Un peu trop stressé la dame. Ah merde, j'ai la mauvaise attaque, c'est intimidé ça, quel con. C'est ça que je voulais mettre, purger, je voulais garder purger.
Par contre, il va prendre cher si jamais il se fait toucher. Heureux qu'on lui a mis. Il a du. Non, il a de la protection grâce au. À la vertu en fait. Si je lui mets un buff d'esquive, il a combien en esquive? Il a quand même 0, ouais, parce que oui, c'est. +10 à +20. Oui, mais de toute façon, ça va servir à rien. Ah bah si, en fait si, avant qu'il joue. Ça va, c'était utile. On n'est pas à la fin. Le sang, je crois que je vais pas le prendre. On va faire ça. On va aller dans l'autre salle. Par contre, ça, il faut que je le... Attends. Moi, je veux... Ça. Le buff. Ah, très bien. C'est elle qu'il faut prendre, merde. Quoi, elle? J'ai viré les trucs qu'il me fallait, c'est ça? Ouais, sûrement. Ouais, non. J'ai viré les choses qu'il me fallait, c'est bien. C'était la mixture d'herbes. Yes. Yes, yes, yes. Faire attention, il y a un piège. In Radiance, may we find victory. Bon, ça s'est pas si mal passé, mais bon. Vraiment parce qu'on a eu la vertu. Hein.
secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Combien ça c'est 20 pièces pour une, ça c'est 5. 25. 4, 5. 15. Yeah, let's go. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. C'est pas mal. Vraiment pas mal. J'aime bien ça. Par contre, l'autre, il a eu précision moins 10 contre les gens infectés. Là. Ok. Bon bah du coup toi t'as bien fonctionné, maintenant t'as la peau dure en plus. Donc honnêtement, je dis pas non pour relancer. Il y a toi qui as un peu stressé de fou en fait. J'avoue que c'est un peu la merde. Est-ce qu'on peut pas avoir un chevalier à la place? Toi. On peut peut-être avoir ça à la place. Je vais voir un peu. Sorcière flétrie. Là, c'est niveau 3. Voilà. Ok. On peut faire ça. Avec plus ou moins la même équipe. Alors... Pas exactement la même équipe. Alors toi, je pense qu'avec ton soin et ton saignement et tout ça, t'es vachement utile. On peut faire ça. Du coup, elle, on va devoir gérer son stress. Alors, fais voir un peu. Toi, tu vas continuer à tanker parce qu'en fait, tu as de la défense et tu peux te soigner toi-même. Et toi, tu vas nous faire le DPS. Alors, est-ce qu'on peut faire un système avec la lance? Attends, merde, bouge pas. Reviens. Non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il passe la lance, en fait. Enfin, quoique. Attends, Comme ça, ça touche derrière. Toi, tu restes devant. Toi, t'as 27 HP, t'as protection 5. À la limite, ça passe. Toi, tu continues à ça. Et comme ça, lui, il pourra temporiser avec enlever le stress. Je pense que ça peut être une bonne équipe, ça. Je pense que ça peut être pas mal.
Par contre, toi, on va te mettre en combat, du coup. Bandit, ça nous manque. Ça c'est pas mal parce que ça donne la protection, mais crit moins. Ouais, non, on reste comme ça. Mêlée précision et crit. Ça peut être bon là. Ça peut être très bon. Alors, protection 13, esquive 5. Esquive 5, pas mal. Précision moins 11, qu'est-ce qu'on a après? Là, infection, c'est 2 points. 2 points sur 3 tours. Enfin, 2 points par tour sur 3 tours. Pendant 3 tours. C'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment ça. Je préfère à la limite utiliser la poudre aveuglante. Et là, on a 1 à 2 de soins. Pas top. On va lui mettre une attaque. Très bien. Forge. Contrats. Il en faut 10. Oh la vache. 30. Il en faut 40. Ah, on peut. Ah non, il m'en faut. Merde. Putain, j'arrive plus à compter, bordel. Là, j'en ai 19. Il me resterait 19. Donc du coup, ça m'en fait 4 de rabais. Ah bon. Oh la vache, les maths des fois c'est compliqué hein, pour moi. Putain, je sais pas ce qui m'arrive. Putain, j'avais pas vu que lui montait directement à 3, j'avais pas fait attention. Ça va, on avait un peu d'argent de côté. Après j'avais vu qu'on avait quelque chose à verrouiller. Ah oui, attends. On a des trucs à verrouiller. On a Monsieur Robuste. Peau dure, protection, plus 10%, gratuit comme ça, honnêtement, je verrouille direct. Hein. Je verrouille direct, je vais pas chercher qu'on le fasse maintenant ou plus tard, de toute façon c'est pareil. Par contre, la fascination pour les blessures et la torture, ça me fait un peu peur. C'est combien? C'est 750? Ouais, 750. Ah, ça fait un peu chier, quoi. Je crois que quand il va avoir des cadavres par terre, il va les toucher, il va les ouvrir et tout ça, il va s'infecter et tout. Je sais pas si c'est vraiment très très problématique au final, mais bon. Maintenant, c'est fait. Alors, pour le stress... 1005. Bon, on a 21k. On va garder ça de côté.
Sachant que là, c'est risqué. Hein. C'est très risqué d'aller avec une équipe comme ça qui est quand même un peu stressée. Ah, ça y est, elle a plus le debuff de la quête, là, ou je sais pas quoi. Ah, mais attends, c'était peut-être parce qu'il y avait sa quête, là, en bas, là. Oui, voilà, événement urbain, convention médicale. Je sais pas ce que c'est. Genre, on peut pas aller voir. Ou c'est moi qui suis stupide. Genre, explique-moi ce que ça fait. Ne peut pas mourir de la malédiction pourpre. In time, you will know the tragic extent of my failings. On est bon, allez, let's go. On va jouer. Let's go. Donc on a dit ça ou on a après c'est des grands longues. Donc celui-là court. Ça c'est un peu de la merde. Alors tout le monde est équipé. Toi, t'es un peu équipé à l'arrache, mais honnêtement, on n'a pas mieux. Je vois pas trop quoi te mettre d'autre, en fait. Je voudrais bien qu'elle ait plus d'HP, mais... Bref, c'est comme ça. Alors, pour les attaques. Toi, tu... Ok, très bon. Toi, tu... On va faire le coup de la lance sacrée. Toi, tu vas te retrouver en deuxième position. Enfin, troisième, pardon. Troisième position, donc du coup, tu peux faire ça. Si tu as besoin. Toi, tu fais ça. Okay. C'est parti. Alors, bam. Bam. Ok. Et j'oublie rien, hein. Non. Ah, si on peut toujours en avoir une qui est prête, honnêtement, tous les 2-3 runs, on fait des runs d'argent. C'est top, hein. C'est vraiment top. C'est ça qui nous met dans la merde. Et je suis sûr qu'elle n'existait pas, elle, quand The smell of rotting fish is almost unbearable. Non, je m'en rappelle plus. Ah, carrément. Ah, bienvenue, quoi. Bienvenue en enfer. Pourquoi tu joues pas en premier, putain? Pourquoi vitesse 7? Ils ont combien, eux? Ouais, 6. Ouais. Allez, à la limite, je comprends. Allez. Du coup, lui, il arrive à 38 de protection et 10 d'esquive. Pas mal, hein? Ouh, joli. Ah, oh. Oh non. Continue the onslaught. Destroy them all. Putain, ils sont précis, hein, ces connards. In
Radiance, may we find victory. Ils sont très précis, hein, ces cons. Tiens, est-ce que tu vas être précis avec ça? Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Étourdissement 60. Nah. Il arrive à toucher, putain de merde. Incroyable. Je vais juste changer un truc. Là, je voudrais mettre le groupe soin en premier. Groupe soin, ça. Ça et ça. Toi, on va te changer. Quoique, non, toi, t'es pire. Ouais, c'est pas mal. Comment faut faire ça? Je crois qu'il faut utiliser un bandage ou un truc. Ah non, c'est une pelle. Bon. Ah mais attends, oui mais une pelle, c'est un peu embêtant quoi. A handsome reward. For a task well performed. Faudra faire gaffe. On va faire gaffe pour les obstacles. Ok, repérage, très bien. Joli, on a un obstacle encore. Évidemment. Pourquoi elle joue pas en premier? Sans déconner quoi. Ouais, il y a une sorte de... En fait la vitesse c'est pas genre... Bon à 10, ça va passer plus en premier par rapport au 9, par rapport au 8, etc. Je crois que c'est des sortes de rolls en fait. Genre plus la vitesse est élevée, plus vous avez de la chance, mais ça veut pas dire que vous allez passer en premier. Voilà. A time to perform beyond one's limits. Is struck. A blazing star is born. Quoi? Sans déconner. Le foutage de gueule, monsieur. A momentary abatement.
Oh, elle peut crit. Le régène peut crit par tour. Oh, ça c'est intéressant ça. Ça c'est super intéressant. Parfait. As victories mount, so too will resistance. Another mariner, another misfortune. J'espère qu'on aura plus d'autres. Qui fait du repérage comme ça, c'est pas mal. On va éviter le combat à droite. Pas trop envie de me faire chier. Quand il y a eux qui jouent pas, en fait, quand il y a les ennemis qui jouent pas, on est dans l'ordre logique des choses. À 8, 2 à 3. Donc, si je le touche là, je le tue. Il va mourir en fait du saignement. Ça marche bien hein, comme ça. Hein. Genre, on booste un peu la protection, l'esquive et tout ça du flagellant et hop. Et on le fait tanker. C'est très potable. Hein. Très efficace. J'ai envie de dire, à la limite, ça manque un peu de d'HP, je crois. Je dirais. Pu le tuer avec ça. Press this advantage. Give them no quarter. En plus, on n'a pas trop besoin de le soigner parce qu'à 50%, il peut faire son attaque, il va lui remettre pas mal d'HP. Donc, ouais. Et puis, j'avoue qu'avec elle, bon, si on la joue comme ça en buffer des buffers, là, on peut plus ou moins. Comment dire. A momentary abatement. Faire les tours. Et soigner le stress, ça dépend après qui on a dans l'équipe, mais... Ah merde, il a plus de... Ah merde. Ah ça va. Ça va. A brilliant confluence of skill and purpose.
Ça c'est quoi? Des curios et un piège. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va laisser ça. Un truc que par contre j'ai pas compris, c'est que... Enfin j'ai pas vraiment fait attention. Genre donc ça, 3 par combat, ça fait une attaque de 100 et ça soigne. Et l'autre c'est quoi? C'est juste du soin en fait. Mais c'est pareil. On va aller en dessous de 40%. Oui, c'est pas 30, 50, c'est 40%. Je vois pas pourquoi une c'est une attaque et l'autre c'est juste un soin. Parce que c'est exactement pareil. Soin reçu, moins 25. Compétence de soin, moins 25. Soigne, 34% des PV max. Soigne, oui, mais ça, 38 parce que c'est au niveau supérieur. Soigne, 33% des PV max. Saignement, base, 6 points. Ah, attends, ça c'est un plus gros soin en fait. Je crois que ça en fait c'est une attaque et après ça fait soigner. Et ça je crois que c'est un soin et après ça soigne en plus. Parce que c'est soigne 33% des PV max et après soigne 34% des PV max. D'accord, ok, bon c'est ça la différence. Parce que je me disais dans un sens, une c'est une attaque avec soin et l'autre c'est juste un soin. Donc ça serait débile en fait, je vois pas pourquoi on utiliserait ça au lieu de pas utiliser l'attaque. Mais en fait d'accord, là c'est attaque soin et là c'est double soin, si j'ai bien compris. Après en durée, ça fait moins 10 de stress, mais je crois que ça c'est sur les alliés. Et après sur soi, ça augmente le stress. Ah oui, après... Je crois que lui, il peut jouer avec le stress, j'en avais parlé. Il faut que j'aille vérifier, en fait. Il faut que j'aille sur Internet regarder ou faire des tests avec mon autre partie. Genre, parce qu'il paraît que c'est bien que le mec soit stressé, en fait. Donc, bon. Je sais pas trop. Tu prends cher, quand même. Je crois que c'est ça. Ouh la vache. Tiens, bien envie de prendre la pelle en fait. on a encore 3 clés. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On n'a pas trouvé tant de choses hein, qui pour mettre pour l'argent. On n'a pas tant de choses. C'est con que on n'ait pas eu du saignement, mais bon, ça va, il a bien géré. Ah, elle fait mal hein, cette attaque hein, de lancer de lance là, enfin l'épée qui s'élance. C'est très mal. Hein. Là, c'est bien, il va pouvoir se soigner direct. Oh, doucement. Oh, doucement. Ah, putain, pourquoi ils passent tous en premier comme ça? C'est ouf. Ah, agonie. Prochain coup pour être fatal. Précision 5, dégâts, vitesse. Résistance augmentée. Joli. Par contre le régène, j'aurais voulu que tu crites le régène honnêtement.
formation is broken. Maintain the offensive. Pas bien. Bon, ils ont l'air de s'en taper un peu de la marque. Hein. Ils ont l'air de s'en cogner un tout petit peu de la marque. J'étais sûr. Je me suis laissé à faire. On a fait double debuff. Il va bien le toucher. Creatures can be felled, they can be beaten. On n'a toujours pas fini. Donc 90% des zones, on peut faire ça. Ouais. On va faire ça. Alors, piège. Joli. Merde. J'ai pas. Pas sur elle, non. Carelessness will find no clemency in this place. Putain de merde, quoi. Ah, ça c'est retire des négatifs. Ah, j'ai pas de truc. Ah, oh, c'était les herbes. Ah, oh, fait chier. À chaque fois j'oublie. Non, je peux rien faire d'autre. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Je peux pas l'enlever. Quelle merde. Ah mais je vais devoir combattre. Je crois. Ouais, non, le temps que j'avance, ça va jamais. Là, j'ai pas de pelle, c'est bien. The way is lit, the path is clear. We require all the strength to follow it. Vas-y, surprise, surprise, surprise. Eh merde. Ah non 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 non. Oh mon dieu, merci. Non 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 non. Oui si, ça va. Non 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 non, oui oui non oui non oui non. Oui non non non. Aïe. The
Tiens, ça vous apprendra. Precision and power. Ah, lui va mourir. Bien. Qu'est-ce qu'ils sont rapides? Ouh. Joli, très très joli. Très très joli. Je remets protection à chaque fois parce que bon. S'il décide de lui faire mal, ça va être la merde. Joli combat. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Alors la question c'est... Finding the stuff is only the first test. Est-ce qu'on va là-bas? Ça fait deux combats quand même à faire. On a encore deux torches. Deux torches et il y a quand même encore... Un seul chemin. C'est un peu chaud, hein. C'est un peu juste. Un peu juste. Parce que je préférerais genre sortir avec un stress comme ça, puis après repartir et regérer l'équipe, vous voyez. Là, on est quand même limite. Donc autant partir maintenant. Terrors may indeed stalk these shadows. Coffre est déverrouillé. A glint of gold. Après, j'ai pas assez. Hein. Ouais. Si on avait plus de torches, on pourrait repartir en fait. On pourrait repartir et après je fais le dernier combat, y a pas de problème. Mais aller-retour, c'est chaud. J'ai pas encore trop l'habitude en fait. Bon, c'est pas si mal. Ah, c'est pas extrême, hein. Honnêtement, on n'a pas eu trop de chance. Alors, ça. Victime d'une potion de mains, ok. Chasse aux bêtes, on s'en fout. La rage. T'as de la précision en moins, mais des dégâts en plus. Ouais. C'est pas si mal. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. Ce n'est point si mal.
On a fait saignement, étourdissement plus 1%. In time, you will know the tragic extent of my failings. En ville, ne fait que boire. Cartographie des tanières. Chance de repérage plus 10% dans les tanières. Ouh, pas mal. Vitesse 2 sur la torche inférieure. Non. Perfectionniste. Stress lors d'une attaque ratée. Plus 5. Non. Ah mais attends, c'est pas les mêmes classes? J'ai cru que c'était les mêmes classes, elles ont un peu le même visage. C'est un mousquetaire. Bon, elle a deux trucs qui servent strictement à rien. Mousquetaire, je connais pas. Elle a deux attributs qui servent strictement à rien. Pour nous. Elle a une peur des bêtes. Bon, elle commence très mal, la dame. Elle commence très très mal. Ah, c'est pas un peu le même type que l'arbalétrière, là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes habilités. Je vais voir. Alors, on a quoi, là? On a une attaque à distance qui est augmentée contre une cible marquée. Intéressant. Après, on a précision et critique moins... Ouh, moins 15. C'est pas mal, ça, écran de fumée. Mmh, intéressant. En plus, c'est double, on touche les deux cibles en l'arrière. C'est pas mal, ça. Pression moins 15, c'est beaucoup. Préparation au tir, distance. Marque la cible. Esquisse moins 20. Ah, d'accord, ça, c'est un marquage. Grenaille. Elle pousse. Ah, tiens, elle touche les deux de devant. Genre, elle pousse les deux de devant, ensemble. Intéressant. Arme d'appoint. Cible aléatoire, distance. Bonus sur soi, vitesse plus 3. Genre, elle tire vraiment complètement au hasard. Après, on a un soin reçu. Ouais, elle a le rafistolage. Et l'autre, elle a le bandage militaire, ça. Ok, c'est vraiment le même système. Et là, tir au pigeon. Ignore la furtivité. Ça fait torche plus 3. Autre héros, retire l'étourdissement, retire la marque, stress moins 5. Chance 60%. Retire un étourdissement? Pas mal ça. Pas mal du tout. Après, qu'est-ce qu'elle a? Alors, nettoyer le mousquet. Ça, c'est le bandit, je crois qu'il a ça. Elle a quoi comme truc spécial, elle? Ah oui, bah, elle a pareil. Ouais, retendre l'arbalète. Après, t'as lui qui a... le nettoyage. Du coup, elle a le même système. Après, triage. Tous les compagnons, soins. 1% des PV. Plan de bataille. Tous les compagnons, vitesse 2. Moi, ouais, bof. Bah, moi, j'ai envie de dire, elle est sympa. Hein. Elle est sympa, puis en plus, on n'en a pas des mousquetaires. Mais elle, personnellement, elle est nulle. Bah, alors, peur des bêtes, il faudrait l'enlever, parce que stress en plus et précision en moins, non merci, quoi. Oiseau de nuit, on joue jamais sans torche. Et au naturel, bon, on a quand même plein de breloques, on va pas ne pas les utiliser, c'est débile. Donc, ouais. Non, non, elle est pas vraiment pas bien. C'est bête. C'est bête parce que je voulais vraiment tester. Formation de niveau 2. C'est quoi la formation ? Je crois que c'est la guilde. Formation niveau 2. Ah, les compétences courant 3.
Je pense que pour les boss de niveau 3, là, on va attendre d'avoir augmenté les armures armes au niveau 3 et les compétences. Ah bah tiens, mousquetaire. Dégâts 25% si en position 4. Chance d'infliger un malus 30%. Et par contre, elle a compétence de soi. Ah, c'est bien ça. Le nécromancien. Alors... Bon, le stress, ça commence peut-être à être un problème, là. Il y a la sirène qu'on devrait pouvoir se faire aussi. Il faudrait qu'elle soit niveau 2. Lui, il faudrait qu'il soit niveau 2. Ça aussi, je voudrais être niveau 2, comme ça on peut augmenter. Parce que, en fait, être niveau 2, c'est pas que genre, ouais, le personnage il est niveau 2, blabla. Non, non. C'est quand même l'équipement aussi qui est niveau 2. Et les habilités. Donc, oui, c'est quand même une grande différence. Donc Yas, toi, faut qu'on passe niveau 2. Toi, tu vas peut-être monter au niveau 3, donc non. Il faudra un autre tank. Tiens, c'est toi qui a Yas. Toi, c'est toi. Toi, t'es pas mal, toi. Enfin, en DPS plutôt. Ou alors un tireur. Ah, mais on n'a pas de marquage en fait, donc pour les tireurs c'est un peu loupé. Ouais, il y a toi qui peut être bien, t'as du stun un peu partout. Mais bon, enfin, après niveau dégâts, je sais pas si c'est vraiment ça. Je pense que lui peut être mieux. En plus, ça fait office de second tank. Ouais, voilà, on fait voir. Parfait. On va jouer comme ça. On a notre équipe. On va relancer une équipe. Par contre, on peut pas trop gérer le stress, donc c'est pour ça qu'il nous faut un truc très court. On n'a pas trop le choix, ça va être ça. Hein. Truc très court niveau 1. Ouais, on va faire comme ça. Alors après, je voudrais voir si on peut... Bon, niveau stress, il n'y a que lui. Je crois que ça peut aller. Alors, est-ce qu'on a des habilités à loquer, là? Ou à virer? Bon, c'est pas vraiment intéressant. Toi. Stabilité, stress, moins 10%, c'est pas mal.
Là, la zoophobie, ça peut être un problème. Ah oui, on a lui qui peut être intéressant. Chasse aux bêtes. Maîtrise des armes. Dégâts. Non, épée de lumière. Dégâts en plus si torche est supérieure à 75. Ça, ça peut être très bon. Parce qu'on va pas faire des runs de nuit. Il y a lui qui m'intéresse parce que lui il a deux choses en fait. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Compétence à distance, dégâts 10%. Compétence mêlée, dégâts 10%. Et en fait, il a distance là. Même si dégâts à distance, c'est pas le plus important. Mais il a distance et mêlée. Et puis en plus, vu que. Lui, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Il va tout utiliser vu qu'il va se transformer. Donc j'ai bien envie de loquer en fait ses habilités à lui. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Je pensais que l'aile médicale. Oui, non, en fait, je serais. Faut que j'arrive à lire. Cellule de patient. Cellule des patients dans. Place en psychiatrie. Ah oui, d'accord, c'est au prochain niveau, ça marche. Donc je dirais ça, 3700. Après, il y en a d'autres encore à faire. Hein, mais. Toi, je voudrais bien te baisser ton stress aussi. Ou alors c'est de la perte. Peut-être de la perte. Alors, fais voir. Alors, toi. Vengeance. Hop. Oui. Mais merde. Très bien. Dans notre équipe. Donc petit. Ça. Donc. Ah oui, saignement. Saignement, c'est pas la meilleure des choses, mais bon. C'est pas la meilleure des choses, mais c'est très. C'est vachement utile en fait contre les boss. La plupart du temps, on peut les infecter et. Toi aussi, toi, tu seras super utile. Il y a le stress du moins 10% qu'il faudrait lock, on le fera après. Donc, ouais. Non, ouais. Moi, je veux toujours un tank flagellant en fait, au moins dans l'équipe. C'est devenu trop utile. Bref. Un peu vite. Non mais c'est devenu trop utile en fait les flagellants. On met ça avec un docteur de la peste. Bon, il n'y a pas grand chose à faire d'autre quoi. The fiends must be driven back. Genre on s'assoit. On s'assoit et on regarde le boss mourir quoi.
are often low on supplies. Ooh. Bon, faut bien gérer là. Le stress. Enfin, on a rien à gérer honnêtement, c'est juste va falloir que ça passe quoi. Et je regarderai pour la prochaine fois, j'irai voir ce que ça peut faire exactement ce truc là. Quand il est stressé, le flagellant quand il est stressé. Zéro. Ah mais on a des bonnes babioles, hein. Je veux pas dire mais ça aide. Annihilated. Ça aide, hein. ça aide complètement. C'est quoi ton bonus? Précision en plus, ok. A singular strike. Si je le fais maintenant, la vengeance, ça va pas rester le buff, si ? Non. Ma merde, t'es pas mort. Yay. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Après, je vais être honnête, hein, si ils sont encore bons à partir, elle repart. Hein. Elle repart pour faire de l'argent. Hein. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. C'est trop bien. Ah putain, elle l'aide tellement. Ah bah les mecs, vous avez faim. Ça je sais pas... Attendez, je vais regarder. Ça je crois que c'est juste de l'aléatoire, y a pas rien à utiliser. Ah si. Alors, une table d'alchimie. Donc on peut mettre une torche pour monter à 100% de lumière. Ou alors... ça. J'ai bien envie de tester la torche pour... Ouais mais non, on est là pour faire de l'argent. C'est juste pour avoir l'icône en fait. La merde. Mind that such missteps are the exception and not the rule. The ground quakes. Ah oui, merde, mais ils ont pas de... On peut pas les saigner. Ah, mais dis-moi, ça va être la merde. Bah, y a que lui derrière, en fait, qui fout la merde. Obliterated. Ah,
sur elle. Their formation is broken. Hop là, très bien. The offensive. Bon, ça va. On s'est débrouillé assez vite. Continue the onslaught. Destroy them all. On s'est débrouillé assez vite pour se débarrasser de ceux du fond, ça va. Il va jouer avant ou après? Ah, ça va. Oh, bien. D'autres viendront certainement si nous tardons. Ok. Quoi ça? Un barrière. Ok. Ça, je prends. Ouais. Jouer. Deux torches. Putain. Alors attends, on a 8 torches encore. Les livres. Alors je sais qu'il faut pas les brûler. Déjà. Mais je sais pas ce qu'il faut les livres. J'ai pas écrit. Non, c'est juste une torche en fait. On a une chance de stresser. D'avoir une bonne, un bon attribut. Waouh, non, il y a plein de trucs vraiment mauvais quand même. Watch your step. Ah ouais. Faut se rappeler qu'on a un coffre derrière. Je l'ai pas ouvert exprès. Ah, ça l'a marqué, ça l'a stunné. Another one falls.
Mais avec son attaque double, il pouvait tuer, je pense. Mais bon, il savait pas que c'était des araignées. Vont débarquer. As the fiend falls, a faint hope blossoms. No. Bien. J'aurais dû faire l'inverse en fait, faire des dégâts celui-là, après on tue lui, puis après on passe avec les... En détruisant les cadavres, c'est un peu con ce que j'ai fait. Bah, c'est pas grave. Oh, attends, c'est quoi ton truc? Ah oui, esquive en plus. Radiance, may we find victory. Nankin. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. J'ai vu qu'ils aiment bien manger. J'ai peur qu'ils demandent à manger, en fait. Voilà. Rien du tout. Ok. Coffre scellé, c'est des objets ou c'est des attributs? Non, rappelle plus. Non, c'est juste des... Non, c'est des objets. Alors attends. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Encore une clé? Yes. The darkness holds much worse than mere trickery. Boogeyman. Pas mal. Joli. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Très joli. C'est surtout de l'argent là, c'est bien. 17 000. Niveau 2, 2 et encore 1 et 1. C'est bien parce qu'il se débrouille très bien en fait, la plupart du temps. Donc on a souvent du positif. Stress moins 20% si torche supérieure avec 75, c'est énorme. C'est énorme. Mais d'accord. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. Là, je veux pas dire, mais là c'était magnifique. Là. Donc toi, t'es toujours très bon, t'as pas de stress. Donc toi, on peut te réutiliser. Toi, tu as eu... Bon, des trucs qui servent un peu à... Ouais, si, stabilité, c'est sert à quelque chose. Stabilité. Là, t'as stress 67. Ça devient un peu haut. Toi, t'as eu quoi d'intéressant? Parce que toi, t'es déjà full.
pas vraiment d'intérêt, de trucs intéressants. Elle. Ah, tenacité à la limite, soin de stress reçu. Plus 10%, mais c'est pas vraiment le truc le plus utile. Toi, t'as eu stress moins 20% si tort supérieur à 75. Je trouve ça intéressant. Mais après, est-ce que lui, il doit vraiment être stressé ou pas du tout? Je comprends pas. Enfin, après, si on le fait tanker tout le temps, il va stresser à fond. Donc, je préfère avoir genre stress moins 20%. Donc la torche est haute. Par contre, on avait quand même un... Attendez, on va les enlever. On peut peut-être refaire un run à argent hein, la prochaine fois. Je serais pas contre. Même lui, même s'il devient fou, qu'on le teste un peu là quand il est stressé. Ouais, mais il va faire stresser tout le monde en fait, ça le problème. Je sais qu'on voulait... Alors toi, t'as été... Ok, bagarre, très bien. Je crois que c'était où, lui? Ah oui, stabilité, stress moins 10%. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on voulait loquer quelque chose? Ah oui, ça, dégâts, si la torche est supérieure à 75... Ah, parce qu'il est plein. Toi aussi, t'es plein, tu vas me dire, dans un sens. Ah oui, toi, on va devoir le jouer dans pas longtemps, parce qu'on va devoir faire un boss bientôt. Donc, à la limite, on va locker stabilité direct. Parce que le stress, ça reste quand même un problème dans le jeu. Par contre, est-ce qu'on peut augmenter? Non. Stress, moins 10%. Après, enclin à examiner les arts obscurs. Stress, plus 20% contre les bêtes. Ouais, j'avoue que ça, c'est la merde. Putain, 6000 juste pour enlever ça. Ça fait un peu chier, j'avoue. J'avoue, mais faut un peu en profiter d'avoir un peu d'argent. Enfin, je pense que j'ai bien fait. Bon, on va s'arrêter là en tout cas. Ben, ça s'est très bien passé. On a donc pas mal de choix en fait en niveau 2. Là, on a plus ou moins une équipe. Hein. On a plus ou moins une équipe, je pense. Il y a elle qu'on peut encore utiliser, la lance. Parce qu'en fait, j'avoue que maintenant, elle devient assez intéressante. J'avoue que Protège-moi devient intéressant. Du coup, elle fait tanker plus ou moins n'importe qui. Et certains qui n'ont pas la marque, en fait. Genre comme par exemple les flagellistes, flagellants. Parce que lui qui tank, c'est vachement bien. Un flagellant qui tank, ça se passe vraiment bien. Il peut soigner et tout, son résistant. Ah oui, mais c'est vrai qu'on le fait stresser aussi automatiquement. Ça peut être intéressant. Peut-être la prochaine fois, on fait un boss. Genre un boss niveau 1. Puis en plus maintenant, toi t'es ça, toi aussi on peut te monter, toi aussi, donc ouais, parce qu'on n'avait pas, ce niveau là en fait, genre c'est quoi, c'est 1, 2 ou c'est 1, 2, 3, niveau 3, ouais niveau 3, on n'avait pas les rangs 3 en fait quand on faisait les boss hein, la dernière fois, on n'avait que niveau 2, que rang 2 maximum. Donc ça devient intéressant. Et après pour les guilds par contre, ça on n'a pas bougé par contre. Bon ça va, je suis content, ça passe bien. Non ! The campaign can wait. For now, carnage calls. Lenteur, super. Super. Ah, esquisse plus 5, toi.
vais voir un peu les classes. Est-ce qu'on en a? On en a qu'une seule par classe. On en a qu'une seule de ça. Ah oui, c'était celle qui était bien, mais bon, du coup, elle, c'est... on avait un truc qui a disparu. Est-ce qu'on peut en prendre un deuxième? Parce que c'est vrai que je les aime bien, en fait, celle-là. Là, elle a un... esquive. Peut être intéressant. Même mes persos niveau 3, je crois pas qu'ils ont... Non, ils ont même pas l'équipement au maximum. Donc on va tous monter de bon niveau, quoi. Il y en a qu'on en a un peu trop, en fait. Genre, par exemple, je crois pas qu'on ait besoin vraiment de 3 tireurs. Après, je pense pas qu'on ait besoin de 3 flagellistes non plus. On va peut-être les changer aussi. Tiens, on va mettre le... le blanc. On n'a peut-être pas besoin de 3 flagellistes non plus, mais bon, ils sont vachement bien. Toi, on t'a toujours pas... Ça, c'est assez bien sur tes gardes, mais on n'a toujours pas vraiment testé. Toi, t'es cool. Ah, t'as ça. T'as mis luminosité, en fait. C'est pour ça que je l'ai gardé, sûrement. Toi, t'as évasion. T'as pas luminosité. Là, toi, t'as sûreté, garde et luminosité, par contre. Et même le réflexe vif qui peut être vraiment bien. Ouais. En fait, ce que j'essaye de faire là avec mon roster, j'ai envie de dire, ma liste, j'essaye d'en avoir donc des niveaux 3, mais en fait de minimiser le fait qu'ils passent tous au niveau 3, parce qu'après on sera bloqué, on pourra plus refaire des niveaux 1. Il faudra toujours prendre des nouveaux persos. Et les niveaux 1, pour le moment, on a des boss à tuer en niveau 1. Donc 1, 2, 3, donc 4. Non, ça c'est normal. Donc on a 3 boss à tuer en niveau 1. Donc ouais, faut une bonne équipe, quoi. On a une sirène, une sorcière et de la chair. Et après en niveau 3, ah, niveau 3 aussi on a un nécromancien. Hein. On a plein de trucs à faire, en fait. Allez, on va s'arrêter là. À la prochaine. Ciao.